Eh bien salut, c'est le Cinématobosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le dossier Mac Games sur mon PC pour savoir comment activer ou désactiver la console du jeu FS19. Ça servira pour afficher ou non la TH, un truc comme ça, avancer le temps, tout ce que vous voulez de ce style. Du coup, quand vous êtes sur votre PC et tout, moi c'est comme ça, c'est ce PC, document, Mac Games. Ensuite, quand vous êtes dans le fichier Mac Games, vous allez sur Farming Simulator 2019. Un petit double clic. Là, vous avez un dossier mode et tout. Et vous avez le dossier Game XML. Vous faites un petit double clic. Et ici, c'est sur cette ligne-là. Contrôle, vous faites false. Ce qui est normal. False comme c'est écrit ici. False comme ça. Voilà. Je me trompe de ligne. Bah, ici vous aurez false, bah, vous le remplacez false par true. Comme j'ai écrit ici. Voilà. Et ça veut dire que en gros vous activez la console des contrôles. Et avec ça, après quand vous serez sur le jeu, je vais vous faire voir juste après, ça vous permet d'enlever l'ATH, avancer l'heure, tout ce que vous voulez, comme je vous ai dit juste avant. Moi je vous retrouve tout de suite sur le jeu. Alors voilà, nous voici sur le jeu. Donc là, une fois que vous êtes sur le jeu, juste au-dessus de la touche tab, à gauche de votre clavier, vous avez un petit une petite touche avec un N et un 2. Normalement c'est un tout petit 2. Donc vous appuyez dessus une fois, une deuxième fois, là ça se met à clignoter. Et ensuite avec la touche tab, vous choisissez ce que vous voulez faire sur votre PC. Après je ne connais même pas toutes les commandes, hein. Je préfère vous le dire. Nous par exemple on va enlever la TH. Pour la tâche, c'est ça. C'est cette commande là. Du coup, après, on fait entrer. On appuie sur la petite touche avec le N et le 2. Hop, ça l'enlève. Ensuite, vous voyez, il y a toujours la TH. Il y a juste appuyé sur le haut. Hop, hop, il n'y a plus de TH. Voilà comment faire. Pour ceux qui veulent savoir sur Farming Simulator 19, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura vraiment aidé. C'était le Cinématobosson, ciao.